pas, j'ai un document ici. Je vais vous montrer la lecture. Je dois dire que les choses ont commencé à aller de mieux en mieux. Je faisais enfin un boulot qui me rendait heureux. Quant à Jamila, les choses avaient rapidement évolué de son côté. Elle était passée en quelques semaines d'étudiante à fiancée. Albiana se kumna ala baraka do ala ala ubenkelema ala bar a denyama bo ala ozulem na shitara bisma nur fatia fatia fala do grâce à cette union. Chef Aziz avait enfin obtenu ce qu'il voulait. Mais à quel prix? Vous avez commandé? Nous allons prendre deux assiettes de sol. Et avec ça, vous nous mettez une bouteille de vin rouge. Non, en fait... Tu préfères le vin blanc, c'est ça? Non, je ne bois pas. Oh oui, c'est ça. Oh pardon, je plaisantais. Apportez-nous une bouteille d'eau. Alors. Je suis content que tu sois venu. Je savais que tu viendrais. Nous sommes presque fiancés et ça nous permet de nous connaître. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es magnifique. Je vais te présenter à mes amis, tu vas voir. Tu vas les aimer tout de suite. Ils sont sympas. Tu as d'autres amis ici à part Augustin? Ici, non. Je parle de quand on rentrera aux États-Unis. On ira aux États-Unis? Ah oui, je viens de te le dire. T'écoutais pas ou quoi? Je viens à New York, je te le dis, non? On pourra aller se promener à Central Park, on fera du jogging. C'est pourquoi je te disais de te mettre au sport. Hein? On ira sur le pont de San Francisco. Tu vas aller aux États-Unis, c'est carrément une autre mentalité. Moi, bon, quand je vous vois ici à jacasser pour rien, là-bas, c'est quoi? Messieurs, dames, tout se passe bien par ici? Oui, ça va, madame. Vous n'avez besoin de rien d'autre? Ça va, merci. Merci. Joseph? Désolé pour le retard, j'étais... Non, ce n'est pas grave, je n'ai pas attendu longtemps. Vraiment? On peut commencer? Oui. Alors, vous savez au moins comment ça s'allume? Non. Je plaisante, je sais allumer un ordinateur. C'est juste que j'ai quelques problèmes avec certains outils. Mmh. Ah, et oui. Vu que je sais qu'on va passer du temps ensemble, j'ai convaincu mes parents de vous... verser ceci. Par mois? Par semaine. Ok. Je propose qu'on commence par les matières de base Word et Excel. C'est bon? D'accord. Alors, raconte. Tu veux me tuer ou quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu la trouves? Comment je trouve qui? Jaoufoué. Quoi? Jamila, évidemment. Alors? Bien. Bien. Bon, ok. Elle est très intelligente, elle assimile vite et je pense qu'on va travailler ensemble. Et? Je vais la préparer pour son examen. T'es le meilleur!
Les jours suivants, je travaillais d'arrache-pied. Augustin m'avait demandé de proposer une idée pour rendre le projet plus intéressant. J'y passais pas mal de nuits blanches. Avec Jamila, tout se passait bien. J'appréciais réellement sa soif de connaissance. Je me concentre. Je dois avouer que j'ai beaucoup repensé à ce que m'avait dit Maria. Étais-je vraiment un gars coincé? Bonjour, désolé pour le retard. On a eu cours et après les cours, j'ai eu du mal avant un taxi. Quand j'ai eu un taxi, je suis tombée dans ça la va. Et la police m'a arrêtée. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit ça va, ça arrive à tout le monde. Tout va bien. Bonjour. Je me suis rendu compte que je ne t'ai pas dit bonjour. Bon, on peut commencer? Parce qu'on n'est pas en avance, là. Bonjour. Bonjour, comment puis-je? Surprise! Je rêve, Lisa! Je suis contente que j'ai fait une fois te reconnaître. Tu m'avais tellement moqué. Là, je connais quelqu'un à qui tu as manqué mille fois plus. De mon côté, je me suis rendu compte qu'un simple bonjour pouvait rendre les cours d'informatique appliqués bien plus fun. Quoi? Ah, rien. En fait, j'ai besoin de conseils. Enfin, un conseil pour une amie. Elle va bientôt se fiancer. Mais son fiancé veut qu'il parte vivre à l'étranger après le mariage. Alors qu'elle n'est pas prête. Et elle ne sait pas comment le lui dire. Quoi? Ah, rien. Si j'étais l'ami de ton ami, je lui dirais de parler à son fiancé. Futur fiancé. Si tu veux. Ils doivent apprendre à communiquer, à se parler. Toute base de relations solides passe par là. Et je sais que ton ami est très intelligente. Elle trouvera les moyens de pouvoir résoudre cela. C'est bon? Ok. On n'est pas en avance là, donc ouvre une nouvelle feuille, je te montre de nouvelles fonctions. Joe! Lala! Mais Lala, pourquoi tu m'as pas dit que tu venais? Je pense qu'à ce stade de l'histoire, une petite mise au point est nécessaire. Tu es juste Vous me demandez sûrement qui est cette Leila
et d'où est-ce qu'elle sort? Eh bien, Leïla n'est rien d'autre que ma meilleure amie depuis l'enfance. Joseph, je vais rentrer. Ok, Jamila. N'oublie pas de bosser tes fonctions parce que demain, tu as une évaluation. Bonne soirée. C'est qui? Je lui donne juste des cours particuliers. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Particulier à quel point? Toi, tu es toujours dérangé, déréglé. Ah non, c'est pas né. Hello. Ah, oh, Najib, tu m'as fait peur. Ah, sorry. C'est ta mère qui m'a dit que je peux te trouver ici. Ah, super. Je veux qu'on... Il faut qu'on parle. Toi d'abord. Ok, je me lance là. j'ai réservé pour deux personnes dans un restaurant chic. Et tes parents sont d'accord. Ah, super. Ouais. Et c'est pour quand? Des snacks. Oh, pardon, ce soir. Ah. C'est bon? Ouais. Je vais me changer. Ok. Ah, attends. D'ailleurs, t'as dit que tu veux me parler, non? Oh, oui, mais ce n'était rien d'important. D'accord, si tu le dis. Ok, moi, je suis là. Petite chose à savoir sur Jamila, elle déteste être prise au dépourvu. Néanmoins, elle accepte le rendez-vous sans broncher. Parce qu'elle était tout simplement incapable d'aller contre la volonté de ses parents. Et avec sa manie de vouloir tout contrôler, Najib était mal parti. En fait, il a passé toute la soirée à me parler de lui, de ses affaires, de son succès et bla bla bla. Ben, en même temps, tu sais quelque chose sur lui. Très drôle. Je dois donner ma réponse pour le mariage après-demain. Je ne sais toujours pas quoi dire. À ce niveau, je ne suis pas vraiment bon conseiller en affaires de mariage. Je ne saurais vraiment pas quoi te dire. Mais écoutez, c'est déjà bien. Mais pour qu'on s'est arrêté? Je suis arrivé à mon boulot. Ah, ok. Ben, écoute, tu n'étais pas obligé de te déplacer pour me remettre ton devoir. Tu pourrais le faire par mail. C'était un prétexte pour te voir. En fait, je veux dire un prétexte pour te voir parce que... enfin, pour t'expliquer ma soirée d'hier. Je comprends. À ce soir, alors. Ouais. Pardon, désolé, comme tu m'as... Ok. Ouais. Allez. Donc, à plus tard. Ouais. Bon, à demain. Ok. Au revoir. Bye. Alors... C'est le départ? Ah, monsieur, vous êtes là? J'ai cru être le dernier. J'ai encore du travail. Vous avez besoin d'aide? Non, ça ira. Allez, rentre vous reposer. À vrai dire, j'espérais qu'il me dirait non. J'étais trop fatigué pour réfléchir à quoi que ce soit. Faites très attention. Je ne comprends pas, monsieur. La jeune fille ce matin, c'est la fiancée de mon ami. Et on pourrait croire certaines choses. Non, c'est pas ce que vous croyez, monsieur. Je lui donne que des coups. Je vous crois, Joseph. Mais dorénavant, faites très attention. Je n'aimerais pas que vous retrouviez dans une situation délicate. Ok, monsieur. Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis vraiment que j'aurais dû prendre cet avertissement d'Augustin plus au sérieux. Ça aurait sans doute permis d'éviter certaines choses. Bonsoir. Tout va bien?
Si tu ne veux pas m'épouser, dis-le simplement. De quoi tu parles? Ne fais pas celle qui ne comprend pas, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Jamila était sur le point de découvrir l'une des facettes de son fiancé. Ce matin, je vous ai vu devant le bureau d'Augustin. J'ai vu les regards que vous vous lanciez. Nadib, je te jure que... Il te serrait dans ses bras. Laisse-moi t'expliquer, ce n'est pas ce que tu crois. You lie. Tu mens. C'est juste un ami. Je lui demandais conseil parce que j'ai peur, Nadib, j'ai peur. J'ai peur de ma vie après le mariage. Et il m'a conseillé de t'en parler. Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je n'ai pas trouvé le bon moment. Je suis désolé. Je te demande pardon pour m'être comporté comme ça. J'ai paniqué, Jamila. Jamila, je tiens à toi. Mais je comprendrai si tu ne veux pas de ce mariage. Jamila avait vu en la détresse de Nadib une preuve de son amour pour elle. Sa petite scène avait sans doute été montée de toutes pièces et il avait également reçu de l'aide. Plus tôt dans la soirée, Nadib, fou de colère, s'était rendu chez les Diallo dans le but de tout annuler. Adja savait que jamais sa famille ne se relèverait après un tel échec et fit ce qu'elle pensait être juste sur le coup. J'ai un plan. Assieds-toi, s'il te plaît. Tu sais, pour comprendre Jamila, c'est simple. Elle lui donna toutes les informations dont il avait besoin pour comprendre Jamila à la perfection. J'ai quitté les États-Unis, c'est pas pour... Calme-toi, calme-toi. Après ça, Jamila n'avait plus aucune chance face à lui. C'est comme s'il passait un examen en ayant déjà toutes les réponses. Je veux toujours qu'on se fiance. Mais... j'aimerais terminer mes études ici avant qu'on se marie. Tu vois, je n'aimerais pas mettre à la poubelle tout ce pour quoi j'ai travaillé aussi dur. Et si tu penses encore à ce matin, je te jure que ce n'est qu'un malentendu. Il n'y a rien entre lui et moi. On fera comme tu voudras. Ce qui m'importe, c'est qu'on soit ensemble. Impossible de taper poteau, comme on le dit chez nous. Une semaine était passée et Jamila et Nadib étaient désormais fiancés. Ils n'ont pas fait de grandes cérémonies, selon ce que m'a raconté Mahira. De mon côté, la date de la présentation de mon projet avançait à grands pas et je ne pouvais pas aller au bureau parce qu'une grippe sauvage et tenace avait décidé d'élire domicile dans mon corps. On laisse couler Aaron, ce sont les enfants de l'immeuble, ils font ça tout le temps. Quand je me lève, que j'ouvre, ils se sauvent. Quel est le problème?
on n'en aurait pas eu si tu étais venu nous ouvrir la porte il y a 5 minutes. Salut. Jami, tu rentres ou pas? Oui. Et qu'est-ce que vous faites ici? Même dans la maladie, tu travailles encore. Aaron, je te rappelle. Quoi? Tu ne m'as pas répondu. Tu es censée être partout sauf ici. Maman a fait de la soupe pour toi parce qu'elle sait que tu es malade. Elle m'a dit de ne pas bouger tant que tu n'as pas tout fini. Donc, mon frère, on en a encore pour longtemps. Mayra, retire tes pieds de ma table. Mayra. Tu as retiré tes pieds. Doucement. Pas la peine de me pousser, non. C'est Jeanne qui sera contente. Je ne peux plus rien avaler. Attends, je vais... Ne fais pas ça. Tu es mon invité. Oh non, je suis juste venue soutenir un ami. On est amis maintenant? Je suis désolé. Ce n'est pas grave. Tu me permets de te poser une question? Vas-y. Tu appelles ta mère Jeanne. Pourquoi? Ce n'est pas ma mère. Mon père l'a épousée quand j'étais encore plus petit. Et ta mère, elle est où? C'est une longue histoire, je n'ai pas envie d'en parler. Et dis-moi, comment ma soeur t'a convaincue de venir jouer les babysitters ici chez moi? Oh non, en fait, je sortais juste de mon cours dans l'immeuble en face quand je l'ai aperçue. Et donc, j'ai décidé de venir te saluer quand elle m'a parlé de ton état. C'est bien. Et tu prends des cours dans le quartier? Mm-hmm. De quoi? Le dessin. Sans blague. Et tu dessines quoi? Je suis encore en train de chercher mon style. Elle parla pendant des heures de sa passion pour le dessin. Et de comment elle est obligée de le cacher à sa famille parce qu'il n'approuve franchement ce profil de carrière. Je crois que la première personne à avoir soupçonné ce qui était sur le point de se produire était ma sœur, Mayra.